Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo GVG Interserver, piste 3 contre une guilde G2 Japan avec la petite PP Hunter x Hunter qui va bien. On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Alors, première offense, on est parti. Il y a de la Liu Mei, de la Sylvia, du Tianlong. Il y a même un Gurkha en défense. C'est un Minato, donc on va voir un petit peu comment ça se débrouille en défense. J'ai un peu peur de la compo avec le Tianlong, mais bon, on va voir si ça se passe. Ok, donc là c'est une Yume en Revenge. Alors est-ce que c'est du vieux Revenge, du Desperate Revenge? Je sais pas encore. Faut absolument que je réussisse mon taunt. Je tente un stun. Ok, on n'a pas le stun. Je pense qu'on va aller focus en priorité la Yume parce que c'est à mon sens la plus grosse menace de sa compo. Ah ouais. Allez, les dégâts c'est pas mal. Elle tape très très fort sa Savannah. Nice break def. On tue une première fois la Yume. Alors. On a le setup break def. Et là, je crois que normalement, la Jeanne est censée tuer. Ouais, let's go. En plus de ça, on a un bon proc. Tant mieux pour nous. Je pense qu'on va aller directement gérer la nana à ce stade-là. Ah, c'est incroyable. J'aime trop les petits dégâts à 8K là, de la Jeanne. Alors qu'elle est juste en full HP avec des subto crit. Mais ça surprend toujours les dégâts. C'est tellement plus utile comme ça, je trouve. Alors, cette offense-là est un peu terrifiante, mais je me dis comme il n'y a pas beaucoup de dégâts. Oh. Je me dis comme il n'y a pas beaucoup de dégâts, on devrait pouvoir s'en sortir. Je pense qu'on doit aller tuer la Iris. Hein. On va tuer la Iris directement. Parce que là, il n'y a plus trop de CC. Il n'y a plus trop de CC, on va quand même claquer la sustain. Le Wusa devrait lui redonner encore le S2. Ouais. Et d'ailleurs, le Wusa est en destroy. Hein, quand tu vois les dégâts qu'a pris la Shayna. Moi, j'ai tendance à dire qu'on devrait aller sur la Sylvia. On a eu de la chance avec les procs, tant mieux. Petite sustain encore. Mais ouais, les Twins comme ça avec des buff attaques, ça fait trop trop de dégâts, c'est illégal. Et on la passe assez facilement. Alors, troisième def, y'a quoi? Ah, troisième def, c'est celle qui est un peu chiante, c'est Molly Tianlang. Donc, bon, on y va avec cette compo. C'est pas super safe, parce que comme d'hab, si on loupe des break def. Si on loupe des break def, si on loupe des réduits KTB, ça va vite être relou. On tue la Molly. Le Théomars a perdu son passif. Et ça passe quand même. Alors, cette défense-là me terrifie un peu. Ok. On se remet l'immu. On a un bon proc. J'ai envie d'aller tuer très très rapidement le Miles. Hein. Le Miles me terrifie. Alors est-ce qu'on arrive à mettre les dots? On a même mis un stun. Royal. Royal. Le mec va fondre. Il va mourir tellement vite là. Oh, ça fait trop de dégâts. Attends, on va remettre un petit coup là-dessus là. Je veux que lui die. Voilà, comme ça on met les dots, l'antide, etc. On reprend un tour. On a à nouveau le stun. C'est trop fort, hein. En vrai, j'aime bien Sat, hein. J'aime vraiment bien pour le PVP comme ça en offense, c'est fort. J'aime bien les petites team dots. Merci Saf pour le deuxième mois. Alors, est-ce qu'on arrive à strip et break def un truc? Ouais, vite fait. Vite fait, vite fait. Laika prend le focus, mais c'est pas très grave. Là, on devrait pouvoir le one shot hein, si on crit. Hein. Ouais, tous les jours. Tous les jours. Bon, on a sorti une de ses menaces. Il a encore. Le vilain setup break def. Ok, nice proc, nice proc. On se met une immu. Et je pense qu'on va directement aller travailler le perna. On lui vole le buff def. Je n'en reviens pas à quel point c'est broken. Je pense qu'on va directement aller là-dessus parce que le perna il a une deuxième vie et tout donc. Peut-être que le Ritesh va un peu mongoliser son focus. Pas du tout. Pas du tout, le Ritesh reste très 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 focus quant à la target. Les petits proc Revenge qui mettent bien. Incroyable. J'aime trop. Franchement, le build de triple Revenge sur elle en offense, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment trop trop bien. Bon, on tue directement le Perna. Et là, il nous reste plus qu'à tempo un break def et un S2 du Laika pour gérer le Ritesh. Le Ritesh survit pixel HP, est-ce qu'il proc? Non, même pas, il se fait revenge, il a pas le temps de proc. Et c'est un 5-5 qui est proposé. Deuxième offense,
On va y aller avec du Lushen, de la cleave, une petite offense Kraka, du plaisir. Mais moi, je voulais surtout réussir à trouver un counter fiable à la Louise Miles Kinky. Parce que j'étais pas trop satisfait de mes derniers tries contre cette défense. Chaque fois, j'avais des compos un peu bancales. C'était pas des victoires satisfaisantes. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on a la Rylai qui joue avant pour pouvoir nous cleanse. Et j'imagine qu'on va aller directement focus le Miles, mais on tue pas, hein. Mais gros, le Miles c'est beaucoup trop tanky en fait avec le shield. Et derrière, il y a du destroy, mais on va la perdre. Attends, c'est ça la vie? Attends. Attends, c'est ça la vie? La vie, c'est qu'on la perd là. Ok, j'ai une idée, j'ai une idée. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, les gars. J'ai zéro idée là. Là, c'est finito. Tu? C'est la merde. Oh oui, c'est la merde. Ok, bah maintenant on a l'info que même ça, c'est pas satisfaisant. Ah ouais, parce qu'en fait, tu mets juste de la réduc feu, de la réduc eau, pardon, sur. Tu lui mets juste de la réduc eau sur l'autre et ça tank tranquille, hein. Vas-y, on va aller directement sur le King Kill, hein. Nice proc, bro. On se clean, on se reprend les 5 stacks. On va remettre encore un coup sur le vilain Kinky. Mais mec, c'est tellement pas fiable. Avec le destroy et tout, c'est tellement pas fiable. Oh, j'aime trop. J'ai encore plus envie d'avoir Kinky maintenant. Ok, on a eu des bons procs. Kinky meurt. Mais attends, mais tu sais que là, si la Louise s'intercalait qu'elle avait un proc ou deux et tuait le Molong, j'avais perdu encore. Hein. Oh merde. T'as mis de dégâts sur Rose ton Molong? Non, 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 il est en full multi. Bah, c'est pas un Molong d'offense siège, tu vois, mais quand même. C'est pas un Molong d'offense siège. Un Molong en vampire avec dégâts sur Rose, je pense quand même que ça réussissait à tuer le Miles. Mais bon, je suis surpris. Oups. On va le laisser un HP du coup. Est-ce qu'elle va nous tempo tant que ça? Non, c'est ok. Ah, j'aime bien cette def. Hein. En plus, t'as du destroy et tout, c'est relou. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Là, normalement, c'est impossible que ça tanque. Je vois pas dans quel monde ça peut tanker. Beaucoup trop squishy. On note speed, il n'y a rien en Swift. Est-ce qu'on arrive à mettre le break def? Non. Ça pourrait être un peu chiant. On met pas la réduc sur le Woussa. Oh, vas-y, gros, t'es serre. Oh, ça casse les couilles. Oh, ça me casse déjà les couilles. Bon, ça, c'est mort. Est-ce qu'on tue? Ok. On arrive quand même à venir à bout de la savana. J'imagine que Galion est censé terminer. Résistance. Mais non. Mais non. S'il te plaît, me dis pas que tu vas me battre. Me dis pas que tu bats le Galion. Tu peux pas. Ça va. On termine déjà avec le S2. Alors ça, je t'avoue, c'est le fight un petit peu plus compliqué. C'est le fight un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on va aller full sur Momo, non? Pour stacker le destroy. Alors il va cleanse, on sait. Ah, il va stun tout le monde aussi. Ça, c'est une bonne tech. D'accord. Ben, c'est la merde. Oh merde. Ok, le Verde en double revenge a l'air de faire des trucs. Ah mais là on a de la chance, hein. On aurait déjà perdu gros. Son IA était catastrophique. L'IA de la Molly qui a pas cleanse la Momo, ça m'est bien, alors qu'elle était low life. Mais c'est pas grave, ça fait partie aussi des joies de la compo. On a mis double crit, alors qu'on est capé. Gros, la Molly ne veut pas se cleanse. La Molly refuse catégoriquement de faire en sorte de rester en vie. Elle ne veut pas. C'est pas ses oignons. Ok, nice. Nice trip, nice trip. On met les petits revenge. On est en train de la slay là, cette vilaine def. Est-ce que j'ai parlé trop vite? Non, c'est Tricaru qui termine. Easy. Alors, ça c'est un X. Attends, mais elle a pas de. Attends, mais la Molly. Comment la Masha peut faire aussi peu de dégâts? Vous avez vu ce qu'elle a pris ou pas du break def Syrah?
Elle a pris un 10k sur le sort 3 de Syrah. Et la Masha n'a même pas mis midlife la Triana. Alors que genre ma Triana, elle a legit plus 160 de def. C'est une chips. C'est la chips originelle. Est-ce qu'on arrive à re-break def? On re-break def, nice. Big damage. Ok, bon. Les dégâts, ça déconne pas, par contre. Par contre, effectivement, les dégâts, ça ne déconne pas. On dismount ou pas? Non, quand même pas. Quand même pas, quand même pas. On lui vole son immu. Let's go. Bon, on va juste faire ça. Hein. Attends, la Triana, là, elle peut mourir. Hein. Le mal est fait. Ok, sauf qu'elle ne meurt pas. Et ça, c'est beau. Ok, easy. Bah écoute, on a fait 10-10 sur ce petit GVG interserveur. J'espère que les offenses t'auront mis bien, que tu auras apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.